Alléluia, gloire à Jésus. Oh Saint-Esprit, merci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Re Santa Ramone Kiribosa Baba Baba Baba. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, nous adorons ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te célébrer, Père, parce que tu es le Dieu fidèle. C'est toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et Jésus, midi pour Jésus, c'est pour te lever, te donner toute la place. Oh, merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci Papa. Merci, 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 merci Jésus. Mon âme veut te célébrer. Lui veut t'adorer, oui, veut te louer. Alléluia, tu es le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs. Mon âme veut t'exalter. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire ça à son Dieu? Oh, alléluia. Bonjour Nado, sois béni, shalom, shalom. Fatim, sois béni, shalom. Soyez béni. Sois béni, Papa Loré, sois béni. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia! Nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous voulons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Midi pour Jésus, c'est un moment où nous venons pour simplement adorer Dieu, pour simplement parler de Christ, parler de Jésus. Alléluia! Ce temps-là n'est pas, ça n'appartient à personne d'autre qu'à Jésus. Et c'est un moment où nous venons enseigner, nous venons parler de la part de Jésus, nous venons parler de la part de la parole de Dieu, alléluia. Nous venons traiter des thèmes, traiter des paroles, traiter des exhortations, même simplement adorer. Le Seigneur veut que nous venions là pour qu'une vie soit abreuvée, une vie soit nourrie, une personne puisse se relever de là où elle était tombée. Alors, midi pour Jésus, comme je vous le dis, c'est toute la semaine, hein, mais on a des jours particuliers, on a le lundi, midi, mardi midi, jeudi midi et vendredi midi où nous venons sur cette page, la maison du refuge, pour encore partager la parole de Dieu. Alors abonne-toi, va sur nos différentes pages, active la cloche de notification, de telle sorte que quand nous sommes en direct, automatiquement tu peux voir, quand nous balançons quelque chose, tu peux le voir, alléluia. Va sur notre page YouTube, je crois que je l'ai affichée. Hein, je ne sais pas trop, mais bon, je crois que je l'ai affiché. Si je ne l'ai pas fait, après, je le mettrai sur notre page YouTube et Facebook. Alléluia. Donc, sur Facebook aussi, vous pouvez voir les différentes vidéos. Il est important de souvent, quand on a écouté un message qu'on n'a pas tout saisi, d'aller réécouter encore pour voir. Il y a forcément quelque chose que Dieu veut nous enseigner ou peut-être il y a quelque chose qu'on a raté, peut-être parce qu'on était distrait.
Vous savez, l'attention de l'homme ne peut pas être fixée un long moment. Alléluia. Donc, il y a des moments où on rate quelque chose. C'est pour ça que c'est important d'aller regarder, d'aller voir. Et quand vous arrivez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Et puis, partagez la vidéo, mettez des j'aime, amen, pour que aussi à la longue, nous puissions au fur et à mesure, comme on appelle ça, faire des directs aussi sur YouTube, amen. Et donc, mettez des j'aime, activez la cloche de notification dès qu'il y a quelque chose qui vient dessus et le Seigneur vous le rendra au centuple, amen, parce que c'est sa parole qui est prêchée. Ce n'est pas un homme qui est mis en avant, mais c'est plutôt Christ qui est mis en avant. Alors que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, que le Seigneur véritablement vous élève là où vous êtes. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Père, merci encore. Seigneur, merci parce que nous voulons encore passer du temps dans ta présence. Et nous croyons que ce temps que nous passons maintenant là, c'est Père Éternel, ton esprit, tes anges, Père Éternel, campent autour de nous. Afin que la vérité de ta parole, Père éternel, puisse encore toucher un cœur, puisse relever quelqu'un, puisse redresser la manière de marcher de quelqu'un, puisse éduquer quelqu'un, puisse envoyer une nouvelle mentalité, un nouveau raisonnement à quelqu'un, pour que nous ne puissions pas rater ce que tu as pour nous, et que nous soyons toujours en train de te chercher, toujours en train de languir, Père éternel, devant ta face. Jésus, viens et touche les vies. Jésus, viens et ouvre l'entendement de quelqu'un. Jésus, viens et touche un cœur. Viens te révéler à quelqu'un. Viens être, alléluia, viens visiter quelqu'un au travers ta parole, au travers, Seigneur mon Dieu, les choses extraordinaires que tu fais dans nos différentes vies. Merci. Shalom à tous, shalom à tous. Merci Saint-Esprit. Je me mets à ta disposition. Que les paroles du Seigneur Jésus soient, oh oui, amen, dans mon esprit, mais que j'arrive à les donner comme tu veux que je les donne. Alléluia. Bien-aimés, hier, nous avons commencé, et depuis plus de 2 semaines, on a commencé le thème, amen, les 7 églises des temps de la fin. Alléluia. Les 7 églises des temps de la fin. Que faut-il comprendre pour l'église d'aujourd'hui? Et nous sommes à notre 10e série, amen, parce que c'est, on va dire 10e, 11e, 10e série. Alléluia. Donc, ça fait plus de 10 fois qu'on passe et on parle depuis qu'on a commencé à Apocalypse 2, où on parle des églises. On a fait une introduction où on parle des églises et tout ce que le Seigneur pouvait reprocher aux églises. Amen. Mais ce qui ici était louable chez certaines églises. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes, amen, en train de parler de l'église de Philadelphie. Et hier, je vous disais que c'est la seule église parmi les 7 là qui n'a pas reçu d'avertissement, qui n'a pas reçu de, comment on appelle ça, une parole de jugement, non, qui n'a pas reçu quelque chose, alléluia, contre, non. Au contraire, cette église-là, le Seigneur va la motiver, le Seigneur va lui dire, oh, je t'aime tellement, alléluia. Cette église-là de Jésus-Christ, cette église qui a gardé la parole de Dieu, le Seigneur va lui dire, continue encore, parce que je sais que tu es quelqu'un qui me cherche véritablement. Et donc, cette église doit être à l'image. Nous devons, pardon, être à l'image de cette église, alléluia. Cette église qui est sainte, irrépréhensible, qui a cherché Dieu, qui a persévéré. C'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas de ce genre de chrétien mi-figue, mi-raisin. Le Seigneur n'en a pas besoin. Hier, je vous disais qu'il est le chemin, il est la porte. Alors, aucun levain ne peut rentrer par lui. Le levain, c'est la représentation du péché et de tout ce qui est faux et mensonge. Alléluia. Et donc, ça ne peut pas rentrer par lui parce que lui-même, il est saint. Lui-même, il est saint. Donc, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas rentrer dans ce que tu crois, en fait, renouvelle ton intelligence. Si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu vas rater beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur, quand on parlait, on a commencé au verset, je vais relire, hein, parce qu'on va faire, c'est la suite aujourd'hui, mais il faut qu'on relise un peu pour que chacun de nous puisse se connecter vraiment à ce qu'on avait dit hier. La Bible dit dans Apocalypse 3, à partir du verset 7, il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable. On avait dit qu'il était saint, il était véritable. La vérité était lui. Lui, Christ, il est la vérité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons sortir de beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Il était la sainteté. Alléluia. Donc, la sainteté ici dont il parle, il a besoin que ceux qui s'assimilent à lui, qui se disent étant de lui, qui se disent étant être ses disciples, doivent marcher dans une pureté de cœur, dans une pureté d'âme,
alléluia, doivent rechercher à marcher dans la sanctification. La Bible dit, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Hier, je vous disais que la clé de David, c'était l'autorité. Et donc, Christ donnait l'autorité à ceux. Il avait déjà son autorité, les différentes clés. Il a la clé de la mort, des séjours des morts, et il a les clés aussi du salut. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que je suis le chemin, parce que c'est lui qui a la clé, c'est lui qui a l'autorité. Si tu veux mieux comprendre ça, tu peux écouter la vidéo d'hier, ça y est sur Facebook et ça y est sur YouTube. Alléluia. Au verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Voici ce que tu as. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alléluia. Voici, c'est à la seule église qu'il a dit je t'ai aimé. Non. Vous voyez, les gens, c'est vrai, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais quand Christ aime, cela dépend toujours de ce que... Il nous a aimés, le premier, c'est vrai. Mais après cet amour-là, c'est comme ton enfant, tu l'aimes sans condition. Mais il y a des actions qu'il pose, qui font croître encore ton amour. Qui font grandir encore ton amour pour lui. Et c'est ça la vérité. Alléluia. Au verset 10, il dit... Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia! Gloire à Jésus! Que le Seigneur soit béni, Seigneur, que ta parole soit bénie, et que ce matin nous soyons enseignés, que ce matin nos vies prennent un autre tournant. Alléluia, shalom Ariel, sois bénie ma chérie, que Dieu te bénisse abondamment, amen, alléluia. Bien-aimés, hier, on a parlé de la sainteté, on a parlé du véritable, et on s'est rendu compte que le Seigneur avait besoin de quelque chose, c'est que nous puissions marcher, alléluia, en nouveauté de vie. Et aujourd'hui, nous comprenons que, bien-aimés, Christ n'est pas un imposteur. Christ n'est pas un imposteur. Voilà pourquoi on a dit qu'il était le véritable. Christ n'est pas un imposteur. Il ne vient pas voler la place de quelqu'un. Christ a la place qui lui est due, celle d'être le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, la porte par laquelle nous passons pour atteindre Dieu, le chemin que nous devons suivre. Il n'est pas un imposteur. Voilà pourquoi depuis plus de 2000 ans, bien-aimés, tout est fait pour pouvoir arrêter cet homme-là, arrêter l'évangile qu'il nous a apporté, arrêter l'homme de Galilée qui est Christ, pour l'arrêter, mais bien-aimés, rien n'y fait. Des gens même enseignés ont donné leur vie parce qu'ils croyaient à l'évangile de la vérité. En parenthèse, je veux faire une petite parenthèse. Bien-aimé, je parlais un jour avec quelqu'un, c'est deux fois que ça m'est arrivé. Je parlais avec un frère quand j'étais encore en Afrique. Et le frère là qui était en train de développer un truc dans le genre, je n'étais même pas encore bien, je veux dire, assise même dans la foi. Et il me fait sortir que les apôtres, c'est parce qu'ils avaient manqué de sagesse qu'ils sont morts comme ils sont morts. Ce jour-là, je n'étais même pas assise dans la foi, qu'à l'intérieur de moi, l'Esprit de Dieu a été bousculé. Je n'ai pas accepté cette parole. Quand je suis arrivée en France, je causais avec une autre personne pour qui j'ai du respect. Cette personne m'a fait sortir la même phrase. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas été sages. Bien-aimé, j'ai été choquée. Et beaucoup d'enfants de Dieu croient en ça.
C'est que vous vouliez qu'il devienne sage à quel... Pourquoi? Pourquoi vous vouliez que Pierre soit sage? Pourquoi vous vouliez que Paul soit sage? L'évangile que vous avez reçu aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y avait des personnes comme Pierre et Paul. L'évangile que vous avez reçu aujourd'hui, Jésus-Christ dont vous avez entendu parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un Pierre, alléluia, qui a défié les autorités pour parler de Christ. C'est parce qu'il y a eu un Paul qui s'est levé parmi toutes les nations pour parler de Christ. C'est parce qu'il y a eu un Étienne qui s'est levé devant tout le monde et qui a proclamé Christ. Bien-aimé, si proclamer Christ, on devait avoir une sagesse pour le faire. Si on devait avoir une sagesse pour le faire, je comprends pourquoi l'église aujourd'hui est dans la décadence, parce que vous cherchez la sagesse dans tout. De quelle sagesse vous nous parlez? C'est une parenthèse, mais il faut que je le dise. Pour que toi qui es là, qui pensais ça là, commence à enlever dans ta tête. Bien-aimé, ça c'est le sang. Ça, c'est le sang. Cette parole, c'est le sang. Le sang de personnes qui ont cru. Dans le livre d'Hébreux ou Romains, je crois, j'ai trouvé le passage, la Bible dit, ils ont cru jusqu'à donner leur vie pour l'évangile de la vérité. Vous, aujourd'hui, vous voulez être sage. Et vous les accusez d'avoir été bêtes. Vous accusez Paul. Vous accusez Pierre. Vous accusez Étienne. Vous accusez ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, d'avoir été bêtes. Ils auraient pu vivre plus longtemps. Pour gagner quoi s'ils vivaient plus longtemps? Si aujourd'hui tu peux t'asseoir et puis prêcher l'évangile, tu peux t'asseoir et puis tu dis gloire à Jésus, tu peux t'asseoir et puis vivre l'expérience du Saint-Esprit, c'est à cause de ces hommes, c'est à cause de ces femmes, de ces Priscilla, de ces femmes, de ces Junia, de ces femmes apôtres, de ces personnes qui ont donné leur vie, leur maison, quand tout le monde était contre eux, quand les temps, quand les preux, quand, comment on appelle ça, Pilate et tous ces, pardon, tous ces empereurs-là ne voulaient pas entendre parler de Christ. Quand le Sanhédrin est en train de combattre ceux qui parlaient de la doctrine de Christ, c'est ceux-là qui ont donné leur sang. Aujourd'hui, vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Que Dieu vous pardonne de les traiter de, des gens qui ne sont pas sages. Mais s'ils ne sont pas sages, ça veut dire que l'évangile qui est sorti de leur bouche, elle ne croyait pas ça aussi. S'ils n'ont pas été sages, ils ont donné leur sang pour que toi, tu reçoives la vie. Ils ont donné leur âme pour que tu reçoives la vie. Ils ont donné leur cœur pour que tu reçoives la vie. Cette Bible que tu vois là, c'est le sang. Quand tu la tiens dans ta main, tu dois comprendre que c'est au prix d'un grand sacrifice et beaucoup de sacrifices que tu as reçus aux yeux d'aujourd'hui. L'évangile, ce que tu méprises là, ce que tu prends avec amusement là. Si tu n'as pas compris ça, c'est pour cela que tu prends l'œuvre de Dieu en amusement. Tu prends les paroles de Dieu en amusement. Parce que tu n'as pas compris le sacrifice qui est derrière. Tu n'as pas compris, Christ est parti à la croix. Et ceux qui l'ont pressé, ceux qui étaient après lui, se sont dit, mais attends, on ne va pas se taire, on ne va pas se terrer, on ne va pas se cacher. Alléluia. C'était une parenthèse. Mais cette parenthèse-là, j'espère que ça a boosté ton intelligence. Ça a ouvert un peu ton intelligence. Quand tu prends la Bible, je ne t'ai pas dit d'adorer la Bible. Mais quand tu lis un passage, sache que c'est quelqu'un qui a cru. Il n'a pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne croit plus simplement parce qu'on n'est pas marié. On ne croit plus simplement parce qu'on n'a pas enfant. On ne croit plus simplement... Vous voyez, c'est des choses tellement basiques, minimes. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas la vraie naissance aujourd'hui. Ceux qui étaient vraiment nés de nouveau, ce n'était pas ce qu'ils pouvaient gagner sur la terre qui les importait. C'était ce qui était dans le ciel qui était un trésor le plus grand. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient en croyant que Christ viendrait les chercher. Ils persévéraient. Ils ont même, alléluia, fait tout ce qu'il fallait pour que l'évangile aille partout. Qu'est-ce que Paul n'a pas fait? Paul a été décapité. Vous savez, quelqu'un peut s'asseoir et puis être suicidaire. L'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas. Sa femme a été crucifiée. Un autre a été scié. Un autre a été mis dans l'huile bouillante. Donc, ça veut dire qu'eux, ils sont suicidaires, quoi.
Ils sont suicidaires. Si ce n'était pas la vérité, ils ne mourraient pas pour la, ils ne mourraient pas pour un mensonge. Ils sont morts pour la vérité. C'est pour ça que l'évangile est là jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des gens, même quand bien même il y avait des tensions devant eux, ils ont persévéré. Et bien aimé, cette église de Philadelphie, qu'est-ce que le Seigneur lui donne comme éloge? Il lui dit, au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Au jour d'aujourd'hui, nous ne persévérons pas. Nous sommes à l'église parce que nous attendons que Dieu nous bénisse. C'est ça pour nous notre persévérance. Quelle est la persévérance que tu dois avoir? Parlons, parlons un peu. Quelle est ta persévérance? Tu espères en quoi? Tu espères en quoi? Quand tu te lèves le matin et que tu fais ta prière le soir, tu médites la parole, tu es à l'église, tu es dans le groupe des églises, tu fais beaucoup de choses. Ton espérance, c'est quoi? Tu fais ça parce que tu veux quoi? Un mari? Tu fais ça parce que tu veux quoi? Un enfant? Tu fais ça parce que tu veux quoi? De l'argent? Un business? Tu fais ça parce que tu veux quoi? Avoir de la notoriété? Parce qu'on t'a dit que Jésus peut te bénir, Jésus peut bénir l'œuvre de tes mains. C'est pour ça que tu fais tout ce travail. Bien-aimé, en fait, tu te trompes largement. On travaille, on ne vient pas à Christ pour ça. Si c'était pour ça que Pierre, Paul, Jacques, Jean, tous ces apôtres-là, si c'était pour ça qu'ils étaient venus à Christ, l'évangile que nous avons aujourd'hui, écrit noir et blanc, pour nous emmener là, on n'aurait pas ça. Les Juifs allaient pouvoir effacer. Ils allaient pouvoir effacer ça. C'est pour ça que Dieu leur a donné un cœur de supporter, un cœur un cœur fort, un cœur attaché, pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Même la mort ne les a pas fait peur. La mort ne les a pas fait peur, bien-aimés. La mort ne les a pas fait peur. Les attaques ne les ont pas fait peur. Les oppressions ne les ont pas fait peur. Le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, ce que j'aime chez toi, c'est que tu as gardé la parole, ma parole de persévérance. J'espère que tu es redressé. Ton espérance doit changer. Je suis là parce que je veux que Dieu fasse telle chose. Souvent, mais tu ne le dis pas. Mais Dieu, il connaît, il voit tout, il connaît ton cœur. Il sait que ce n'est pas par amour que tu le fais. Ce n'est pas parce que tu espères un jour être dans les cieux avec lui, vivre éternellement que tu le fais. Non, il sait que tu es là simplement pour que la situation de ton mari et toi se règle. Il sait que tu es là simplement parce que où tu es là, tu veux être assise, les gens disent, oh Dieu, il a fait un miracle, elle a eu mari, elle a eu enfant, elle a eu ici, tu vois. Tu es superficiel. Si nos apôtres d'avant étaient superficiels, on n'aurait pas eu l'évangile aujourd'hui. On n'aurait pas eu le don de l'esprit qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas eu ce parler en langue. On n'aurait pas eu le don de l'esprit qui peut te permettre d'avoir des révélations. On n'aurait pas eu tout ce qu'on a eu. Il a fallu que des gens aillent au charbon. Il a fallu que des gens soient butés dans la tête. Il a fallu que Dieu bute certains. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui sont butés. Dieu les a butés. Quand ils butaient, ils ne voyaient pas le côté négatif seulement. Et il les a bloqués sur ce qui est la vérité. Ils refusent de flécher le genou devant Baal ou devant des choses pernicieuses. Ils sont bloqués, même s'ils n'ont pas 5 francs. Ils n'ont rien qu'on va les insulter. Pour dire, vous êtes des chrétiens, vous n'avez rien. Vous ne pouvez même pas manger. Vous ne pouvez même pas vous habiller. Ils sont butés. Ceux-là, ils ont la parole et la persévérance en eux. Vous pouvez les juger aujourd'hui, mais devant le Seigneur, ils ont une place extraordinaire. Vous pouvez aujourd'hui les accuser parce qu'ils n'ont pas ce que vous avez. Mais l'Éternel a préparé une place extraordinaire pour eux. Vous pouvez les rejeter parce qu'ils ne sont pas de votre niveau. Parce qu'ils ne veulent pas tremper dans tout ce que vous trempez. Mais l'Éternel a une place réservée pour eux. L'église de Philadelphie était cette église-là qui avait gardé la parole. Mayantarabashi kirebe. Bien-aimé, la vie, l'ange qui était établi cette église-là, a passé le temps à prêcher la vérité de Jésus.
à passer le temps à emmener l'eau de la vie dans le cœur de ses fidèles, à passer le temps à envoyer le peuple à s'attendre à Christ, à espérer à l'enlèvement, à espérer à la vie en Christ. L'ange qui était établi sur cette église n'a pas eu d'avertissement parce qu'il faisait son travail. Toutes les autres églises, là, les pasteurs ont été avertis. Les pasteurs ont eu un avertissement. Tous ceux qui étaient placés sur l'église d'Éphèse, sur l'église de Sardes, sur l'église de Pergame, sur l'église de Thyatire. Alléluia. Sur l'église de Sardes. Le Seigneur est venu, il dit, j'ai ce que j'ai contre toi. Mais à Philadelphie, il ne dit pas ce que j'ai contre toi. Au contraire, il lui dit, tu as gardé la parole de ma persévérance. Ça veut dire que chrétien que tu es, bien-aimé, si tu ne veux pas persévérer en Christ, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Si tu ne crois pas qu'au jour d'aujourd'hui, là, tout de suite, Dieu peut venir t'enlever, partir, monter, et que ton cœur n'est pas joyeux par rapport à ça, mais ton cœur est toujours, il n'a qu'à attendre avant d'abord mon mariage. Jésus va venir pourquoi? Et il n'a qu'à attendre d'abord, j'avais mes enfants. Mais Jésus va venir pourquoi? Et il n'a qu'à attendre d'abord, j'avais ma voiture. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu n'es pas encore préparé. Et c'est ça qui va t'emmener, toi qui espères à tout ce qui est sur la terre, là, à aller vers les doctrines de Balaam. Aller vers la doctrine de Nicolaïte. Aller vers la doctrine de Jézabel. Mais c'est ce qui va te plaire. Mais eux là, c'est ce qu'ils enseignent. Mais quand tu gardes la parole de la persévérance, c'est que la parole, l'eau de la vie. Quand tu gardes la parole de Jésus, l'eau de la parole qui est diffusée. Quand tu prends la parole et que tu acceptes cette parole en toi. Et que tu crois que le Seigneur Jésus va venir t'enlever. Jésus, tu as une place qui est préparée pour toi. Que tu crois. C'est-à-dire qu'il suffit de croire. Est-ce qu'on t'a dit que c'est forcément aujourd'hui qu'il va t'enlever? Mais pourquoi tu ne crois pas en ça? Pourquoi tu aimes ça à des mains? Quand j'entends ça même dans la bouche de certains pasteurs, je me demande s'ils sont dignes d'être pasteurs. Je me demande s'ils sont dignes d'être serviteurs de Dieu. Seigneur, attends un peu. C'est toi qui lui dis d'attendre. C'est lui qui sait pourquoi il attend jusqu'aujourd'hui. Mais nous, nous devons soupirer après. Bien aimé, la vie dans l'éternité est meilleure que celle d'ici. Je vous dis la vérité. Saint-Esprit, aide-moi à ce que quelqu'un en face de moi comprenne et accepte ta parole. Elle est dure, mais c'est la vérité. Que le cœur de quelqu'un bouillonne après toi, Christ. Que le cœur de quelqu'un te cherche à... Oh Seigneur! Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Cette église, bien-aimée, était toujours invitée, était toujours encouragée. L'homme de Dieu encourageait les frères et les sœurs à persévérer malgré les épreuves, malgré tout ce qui se levait contre leur vie. C'est pour ça que je peux m'arrêter pour te dire, quel que soit ce que tu traverses, que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Que cela ne t'éloigne pas de Christ. Parce que ton bien le plus précieux, c'est Jésus. Ton bien le plus précieux, c'est ce Saint-Esprit que tu as. Ton bien le plus précieux, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas le mari, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ce que tu as. Non! Ton bien le plus précieux, c'est Christ. Oh, Saint-Esprit. Il invitait son peuple à s'appuyer sur Christ. L'église de Philadelphie s'appuyait sur Jésus. Il était leur rocher. Il n'avait que lui. Il n'avait personne d'autre. C'est pour ça que quand tu vas lire plus haut, il dit, je sais que tu as peu de puissance. Bien aimé, la plupart des gens qui n'ont pas de puissance, qui savent qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes là, ils s'attachent à Dieu. Ils s'attachent véritablement à Christ. Ils s'attachent de tout leur cœur, de toute leur âme à Christ. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de puissance. Ils savent qu'ils ne sont rien sans lui. Voyez? Aujourd'hui, on emmène le chrétien à croire qu'il peut tout de lui-même. Tu ne peux rien. Il dit, vous ne pouvez rien sans moi. Même tout ce que vous pensez avoir fait comme mérite, là, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas vous.
Jean 14 dit, Jean 14, Jean 15 dit, vous ne pouvez rien sans moi. Bien-aimé, tu ne peux rien. Tu ne peux rien sans lui. Alléluia. Bien-aimé, je ne veux pas que tu t'attaches aux doctrines qui ne glorifient pas Dieu. Ça va te perdre. Et un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, doit t'emmener à t'attacher à la saine doctrine qui est Christ. À l'attachement à Christ. À l'attachement à la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il dit ici au verset 10, il dit, parce que tu as gardé ma parole et que tu as persévéré ta persévérance en moi, de la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Quelle est cette tentation? Bien-aimé, la Bible nous parle ici de la tribulation qui viendra sur le monde. Alléluia. Il dit, je te garderai afin que cette tribulation que le monde va subir, à toi, tu ne la subisses pas. Ici, ça veut dire que l'église de Jésus-Christ, l'église de Philadelphie, ou quelqu'un qui vit comme ses membres de Philadelphie, là, ils seront enlevés et la tribulation va venir après eux. C'est pour ça que je vous dis toujours que le jugement n'est pas pour ceux qui sont les véritables enfants de Dieu. Le jugement, là, la tribulation, là, c'est une forme de colère qui est déversée. C'est une colère qui est déversée sur le monde. Où il y aura la peste, beaucoup de choses. Où il y aura des attaques, il y aura des choses. La Bible dit qu'il y aura un ange qui va mettre un pied ici. Essayez d'aller un peu plus loin dans l'Apocalypse. Il y aura des sept sons, il y aura des trompettes qui vont sonner, des plaies, des choses qui vont venir sur le monde. Mais la Bible nous dit ici, en Apocalypse, il nous prévient avant que vous ne serez pas là, vous mes élus, vous que j'ai choisi, vous qui m'avez aimé. Parce que quand vous m'avez aimé, ça veut dire que vous avez gardé ma parole. Vous ne serez pas sur cette terre. Vous ne serez pas sur cette terre quand j'enverrai ma colère dans le monde. Pourquoi Dieu envoie la colère? Regardez autour de vous, vous saurez pourquoi Dieu va envoyer sa colère. Tout ce que est interdit selon la parole de Dieu est approuvé par le monde. Voilà pourquoi la colère de Dieu viendra. Vous ne pouvez pas arrêter cela. Je ne peux pas arrêter cela. Même si on se mettait à prier du matin, soit ça ne peut pas s'arrêter. La colère viendra. Parce que tous ceux qui n'ont pas accepté que sont des enfants de colère. Donc, ils vont goûter à la colère de Dieu. Ils vont goûter à la colère de Dieu. C'est des enfants rebelles. Parce qu'ils ont refusé d'aimer Dieu. Ils ont refusé de chercher Dieu. Alléluia. Ils ont refusé d'adorer Dieu. Voyez pourquoi? Même le mot rebelle, là, rébellion, là, c'est pas comme ce qu'on entend dans nos églises aujourd'hui. Aujourd'hui, on te traite de rebelle seulement parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais la vraie rébellion, dans le sens premier de Dieu, c'est ceux qui ne l'ont pas accepté. C'est ceux-là qui sont rebelles à Dieu, puisque c'est lui qui les a créés. C'est ceux-là qui sont rebelles. Tu ne peux pas être en train d'adorer Dieu, célébrer Dieu, chercher Dieu, puis tu es rebelle comment? Tu es rebelle quand tu n'obéis pas à Dieu, quand tu refuses de marcher selon les voies de Dieu. C'est celui-là qui est rebelle. Voyez? Donc les fils de la colère, là, qui sont destinés à la colère, c'est ceux qui marchent dans la rébellion. Cette rébellion-là, c'est ceux qui ont refusé de s'attacher à Christ, qui ont vu Christ. On leur a parlé de Christ, mais on dit Christ, ce n'est pas pour moi. Allez-y devant là-bas. Ils sont dans la dissolution. Ils marchent dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit que nous ne vivrons pas ces sept ans de comment on appelle ça, de tribulation. L'église serait déjà harpazo. L'église sera déjà enlevée. Le harpazo, c'est une puissance. Amen. C'est l'esprit. Parce que la Bible dit que le Seigneur sera dans les airs. Il ne descendra pas d'abord. Il sera dans les airs. Et la puissance qui va dégager dans les airs va attirer à lui ceux qui lui appartiennent comme un aimant. Ça va les attirer comme ça. Bien-aimé, tu ne seras pas attiré s'il y a encore du levain en toi. Tu ne peux pas être attiré. Tu ne seras pas attiré si tu as tout ce péché-là en toi. Tu ne seras pas attiré. Tu ne seras pas harpazo. C'est-à-dire que tu ne seras pas... C'est comme une puissance. Oup! C'est-à-dire que ça sera rapide, comme un
mari. Ton mari sera enlevé, toi tu vas rester. Parce que tu as passé ton temps à l'humilier. Tu as passé ton temps à l'insulter. Tu as passé ton temps à ne pas l'honorer, à ne pas le respecter. Tu vas t'asseoir à ta femme. Oup, elle est partie. Parce que tu ne l'as pas aimé comme Christ t'a dit de l'aimer. Tu n'as pas obéi. Tu n'as pas aimé Jésus au-delà. Tu as rejeté la parole de Dieu. Tu as rejeté l'esprit de la parole. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Et bien aimé, c'est imminent. Vis ta vie comme si c'était le dernier jour. Vis ta vie, pas comme ce que le monde dit, mais vis ta vie comme si ce soir même Dieu pouvait m'enlever. Ce qui va faire que tu ne vas pas dormir avec la colère. Ce qui va faire que tu ne vas pas dormir avec la haine. Ce qui va faire qu'il y a des choses là, tu vas te débarrasser de ça. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut t'empêcher d'aller, d'hériter du royaume des cieux, d'aller vers à la rencontre de ton époux. Tu n'auras pas le temps de garder cette paresse spirituelle que tu as. Bien-aimés, les 5 vierges, les 10 vierges nous ont démontré. Les 5 ont passé leur temps à se préparer. Chaque fois quand l'huile diminue, elles se sont cherchées huile et mettre. Elles avaient de l'huile en réserve. Ça veut dire que le Saint-Esprit était toujours là pour les conduire. Elles avaient toujours une lumière, la parole qui était là pour les éclairer. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ces 5 premières vierges-là avaient toujours les paroles de leur époux à leur oreille. Elles étaient concentrées. Elles attendaient l'époux. Elles ne se sont pas laissées distraire. Les autres se sont dit, ah mon cher, il ne va pas venir maintenant. Ah, ça fait quand même 2 ans on attend. Ça fait 2000 ans on attend. Ah là, il ne va pas venir maintenant. Donc, elles étaient là, malgré qu'elles n'avaient pas de lumière. Ce n'est pas grave, mon cher, on est fatigué. On va dormir un peu demain. La Bible dit, au dernier jour, quand l'époux est arrivé, il n'a pas prévenu. Il n'a pas prévenu. Mais les 5 vierges là, elles étaient prévenues. Elles étaient prévenues. Et c'est ce que je vous ai dit dans 1 Thessaloniciens. On sera prévenu. Pourquoi? Parce que nous restons dans la parole. Parce que nous sommes toujours en alerte. Parce que quand on va voir que la lampe est en train de s'éteindre, nous allons courir pour vite allumer. Parce qu'on sait qu'à n'importe quel moment il peut arriver, on sera préparé. L'église de Jésus-Christ sera préparée. Mais les autres 5 vierges, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dormi sur leur laurier. Elles se sont dit, ah si, viens, on va aller chercher. Elles n'ont pas maintenu la flamme. Elles n'ont pas maintenu leur espérance. Elles ne cherchaient pas à ce que leur mari vienne. Elles étaient déjà découragées. Donc toi qui es dans le découragement, toi qui es dans l'assoupissement, toi qui t'es laissé entraîner par des vagues, alléluia, reviens. Parce que quand il va venir, ceux qui pourront être arpazos, c'est ceux qui sont préparés. Hein. Ceux qui seront, c'est ceux qui seront préparés. Hein. C'est pour ça qu'il envoie ses serviteurs. Là, il est en train de former une nouvelle génération. Le serviteur de Dieu, le servant de Dieu, pour pouvoir préparer son église. Des gens avant nous ont commencé. D'autres ont dévié. D'autres sont restés sur le chemin. Et nous, on nous a appelés. Nous, on en a fait notre part. Toi aussi, tu seras appelé. Tu vas faire ta part, mais ne dévie jamais. Reste dans la vérité de Jésus-Christ. Prépare son église. Il compte sur toi pour préparer ton frère, préparer ta soeur à côté de toi. L'aider pour ne pas que cette personne rate. Pour ne pas qu'on, bien aimé, ce sera des grincements des dents pour ceux qui vont rester. Et voilà ici, il dit à l'église de Philadelphie, il lui dit, alléluia, il dit, parce que je garde, il dit, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai. C'est-à-dire que je vais t'enlever, tu seras avec moi quand le monde sera en train de souffrir. Toi, tu ne souffriras pas. Quand le monde sera frappé de toutes ses plaies, toi, tu ne seras pas dedans parce que je te garderai. Dans le sens premier du mot garderai, alléluia, c'est-à-dire que je t'emmènerai avec moi. C'est pour ça qu'on sait que ça veut dire que l'église ne sera plus sur la terre. L'église de Jésus-Christ, saine et irrépréhensible, alléluia, sera enlevée. Quelle église sera enlevée? Celle qui est sans tache ni ride. Celle qui ne s'est pas laissée défraîchie, ne s'est pas laissée corrompre par les choses de cette terre. C'est celle-là qui sera harpazo, qui va aller rencontrer dans les ailes l'époux.
Oh, Mayantaraba, je veux tellement vivre ce moment. Si le Seigneur permet que je vive ça, mais s'il ne permet pas que je suis endormie, que je meure avant, vraiment, parce que la Bible dit, même les morts qui étaient morts en Christ, là, vont être harpazo. Quand on parle de la mort, les chrétiens ont un souci avec ça. Oh, Jésus. N'ayez pas peur. La Bible dit que le dernier qui sera vaincu par notre Seigneur Jésus, c'est la mort. Donc la mort même la connaît déjà sa sanction. Donc Jésus a déjà vaincu la mort. Pourquoi tu as peur de la mort? Alléluia. Pourquoi? Toi qui as peur de la mort, c'est l'esprit de mort qui te fatigue. Mais sinon, quand tu es renouvelé en Christ, que tu es tranquille là. Si la mort vient, tu dis, Seigneur, si c'est ta volonté, prends-moi. Si ce n'est pas ta volonté, garde-moi encore pour que je vive pour toi. Et ce que Dieu veut, il le fera. Il va te garder parce que tu dois encore travailler. Tu dois encore œuvrer pour lui. Tu dois encore gagner des âmes. Tu dois encore vivre. Mais toi, tu ne fais rien même pour Dieu. Quand Dieu te garde sur la terre, là, quoi il gagne? Tu es assis seulement à la maison. Tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un. Tu n'aides pas quelqu'un. Tu ne relèves pas quelqu'un. Quand il te garde encore sur la terre, là, c'est pour faire quoi? Vaut mieux aller te reposer de tes œuvres. Vaut mieux aller te reposer de tes œuvres. Ça va mal, mais c'est la vérité. Alléluia! Je veux encourager quelqu'un. Je veux booster la foi de quelqu'un. Je veux que quelqu'un réalise que Christ est tout pour lui. Il dit, je viendrai te chercher. Je viendrai te garder. Bien-aimé, je crois qu'on va parler de la tribulation. Vous allez voir comment ça sera pénible. La Bible dit que vous ne pourrez ni vendre ni acheter tant que vous n'avez pas la marque de la bête. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas vendu ta vie à Satan, là, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. Donc comment Dieu qui aime son église, son épouse, sa femme, va laisser sa femme dans ces temps-là? Non, il va prendre son épouse. Et maintenant ceux qui vont rester, qui avaient entendu parler de Jésus, qui ont refusé, ceux-là, ils vont lutter. Lutter, parce que même encore là, il y aura des gens qui vont pouvoir sortir de la grande tribulation. Mais ils vont sortir comment? C'est ça aussi. Ça, c'est un autre championnat. Alléluia. Il dit au verset 11, je viens bientôt. Vous voyez, le vient, je viens bientôt, c'est une promesse. Le je viens bientôt, c'est, alléluia, c'est une assurance qu'il nous donne qui ne nous laissera pas. Je viens bientôt, il viendra nous chercher. C'est une assurance qu'il nous donne. Pour dire, quel que soit ce qui va se passer, ne pense pas que je te laisserai mon enfant. Je ne t'abandonnerai jamais. La Bible dit que ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Je viens bientôt te chercher. Sois dans l'assurance. Ce monde ne t'avalera pas. Ce monde ne te tuera pas. Satan ne t'écrasera pas. Je suis là, je viens te chercher. Mais garde la parole de la persévérance. Ma parole de persévérance. C'est ce qu'il te demande. Alléluia. Retiens ce que tu as. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? C'est la parole. Qu'est-ce que tu as? C'est Christ en toi. L'espérance de la gloire. Qu'est-ce que tu as? C'est Jésus-Christ qui vit en toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Donc c'est que ton bien le plus précieux, c'est Christ, bien-aimé. C'est pas la voiture 4x4 que tu as là. Ça n'impressionne pas ceux qui savent, qui connaissent véritablement la valeur de Christ. Ce n'est pas l'argent que tu as là qui impressionne. Ce n'est pas ta valeur, l'argent. La voiture, c'est pas ça ta valeur. La preuve, quand tu meurs, on met pas ça dans ton cercueil pour que tu partes avec. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis régénéré en Christ, une nouvelle personne. Je suis fils de Dieu. Alléluia. Et ma vie est cachée dans le sang de l'agneau. Ma vie est cachée dans le rocher des siècles. Mon Dieu, mon roi, est Père et Seigneur sur ma vie. C'est ton bien le plus précieux dans ce monde dans lequel nous sommes.
c'est ton bien le plus précieux. Jésus, c'est ton bien le plus précieux. On peut tout arracher, mais qu'on ne t'arrache pas Jésus. On peut t'arracher ta femme, ton enfant, ton mari, mais qu'on ne t'arrache pas Christ. On peut t'arracher tes biens, ta voiture, tes millions de comptes en banque, mais qu'on ne t'arrache pas Christ. Qu'on ne t'arrache pas Christ. Qu'on n'arrache pas celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses. Qu'on ne t'arrache pas celui-là qui est la solution de l'humanité. Alors que l'humanité l'a rejeté. Alors que le monde l'a rejeté. Les caramandes kiribusa tabaregide. Il est la solution. Et l'église de Philadelphie a persévéré. Dans la paix, ils étaient persévérants. Ils savaient que leur Dieu ne les abandonnera jamais. Et c'est de ça que le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Il faut que tu aies une foi totale en ce que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Le problème, c'est que ta foi là n'est pas la position qu'elle doit être. Cette église avait la foi que son Dieu reviendra la chercher. Son Dieu ne laissera pas l'ennemi les détruire. Même ce que tu traverses aujourd'hui là, il faut avoir la foi que ton Dieu ne te laissera pas te perdre. C'est ça. Yeshua HaMashiach, le rejeton de David, celui qui tient ma vie entre ses mains. Celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, je m'abandonne à toi. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, est-ce que tu peux toucher le cœur de quelqu'un? Il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimé, personne ne doit prendre ta couronne. Ici, quand le Seigneur disait, personne ne doit prendre ta couronne, ce n'est pas parce que quelqu'un va venir te pousser, t'enlever du paradis et puis lui va aller à ta place, ce n'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui viendra t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Ta couronne, là, c'est le mérite que tu as d'avoir persévéré, d'avoir gardé la foi. Ne laisse pas quelqu'un par de fausses doctrines venir te faire partir à gauche. Ne laisse pas quelqu'un par la doctrine de Jézabel, du libertinage, des Nicolaïtes, des fausses doctrines, des astrologies, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des pieds d'achoppement qu'on met devant. Ne laisse pas quelqu'un te travestir. Ne laisse pas quelqu'un te voler ta couronne, c'est-à-dire te voler ton mérite que tu auras dans le ciel. Ne laisse pas quelqu'un venir te mettre sur un faux chemin. Garde la parole de la persévérance, bien-aimé. Garde la présence de ton Dieu dans ton cœur tous les jours. Et c'est ça que le Seigneur disait ici. Alléluia. Je reviens un peu au verset 8 où il a dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Bien-aimé, ceux qui héritent du royaume des cieux, c'est ceux qui n'ont pas renié le nom de Christ. C'est ceux qui n'ont pas abandonné la foi. C'est ceux qui n'ont pas rejeté Jésus dans leurs actions, dans leurs œuvres. Parce que tu peux scander le nom de Christ, mais tout ce que tu fais est à l'opposé de Christ. Tout ce que tu fais n'a pas le caractère de Christ. Bien-aimé, c'est ça la vérité. Ah, ne laisse pas quelqu'un te fourvoyer. Ne laisse pas quelqu'un te séduire. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je voulais qu'on prenne un peu. Il dit, alléluia, waouh. Seigneur, tu es tellement fidèle. Au verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ce sera toi qui seras éternellement établi dans le temple de Dieu. Tu vois quand on dit des choses comme ça, tu vois ça tellement lointain. Tu vois ça tellement colonne. Ici, sur colonne, c'est quoi? Ici, là, il y a besoin de manger d'abord. Et sur colonne, là, c'est pour gagner quoi? Ici, là, il y a besoin d'un mari, d'un enfant. Colonne, là, c'est... Tu vois, c'est comme ça. Ça, c'est la mentalité des bassesses. Ça, c'est les personnes basses, là. Les personnes spirituellement, c'est pas la peine, là. C'est eux. Parce que pour toi, c'est manger. Mais tu peux mourir demain. Manger, tu t'es rêvé dessus, là. Tu peux mourir. Il y a des femmes qui se sont mariées. Il y a des hommes qui se sont mariés. Le lendemain, leur mari est mort. Les femmes sont mortes. Bon, ça, là, on a dit quoi?
Dieu nous prouve par la mort que tout ce que nous avons est périssable, mais nous ne comprenons pas. Je vous ai dit hier que la mort était une sanction. C'est une sanction qui est venue à partir de la désobéissance. Mais la mort aussi nous permet, nous chrétiens, de comprendre que nous n'avons pas la connaissance de tout. Nous n'avons pas l'autorité sur tout. Nous ne pouvons pas nous braquer pour penser que nous maîtrisons toutes choses. Et puis quand on te dit « fais ça aujourd'hui », tu dis « non, c'est demain, il est fait ». La seule chose qui actuellement peut redresser quelqu'un là, c'est la mort. Parce que tu ne sais même pas à quel moment tu pars. On te dit « c'est Dieu aujourd'hui », tu dis « non, c'est demain, il est fait ». Tu connais le jour de ton départ. Tu auras des comptes à rendre. Dieu va te demander, mais tu es allé sur ta tête, tu as fait quoi? On te dit, fais ci, non demain. La mort. La mort. C'est pour ça qu'on dit que c'est dans la maison de deuil que les gens prennent conscience. On ne prend pas conscience dans la fête. On prend conscience que quand on est dans une maison de deuil. C'est pour ça que le Seigneur permet que la mort règne encore. Pour nous faire prendre conscience, nous les enfants de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, beaucoup ne prennent pas conscience. C'est une sanction, hein? Mais elle est là, Dieu permet qu'elle soit là et que c'est au dernier moment qu'ils finissent avec elle pour que jusqu'aujourd'hui les gens prennent conscience de savoir qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas diriger leur vie de ce qu'ils pensent, comme eux-mêmes ils pensent. Mais il y a quelqu'un qui a vaincu cette mort-là. C'est vers lui qu'il faut aller. Mais ils ne comprennent pas. Mais que Dieu sauve son église, que Dieu sauve les enfants, ceux qui sont prédestinés à être avec lui, que Dieu les sauve. Alléluia. Il dit... Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. La géhenne, l'enfer n'est pas pour toi. Tu vas vivre éternellement auprès de ton Père. Si ce n'est pas ton aspiration, aujourd'hui commence à changer tes aspirations. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Bien-aimé, écris sur quelqu'un le nom, c'est quoi? Ça veut dire... Que, tu sais, le nom traduit le caractère. Voilà pourquoi on ne peut pas donner le nom de n'importe qui à nos enfants. On ne peut pas donner un nom, on ne sait même pas ce que ça signifie. Et puis après, on donne ça à nos enfants. Non. Alléluia. Vous avez vu, Rebecca a donné le nom de Jacob à son fils. Il est devenu usurpateur, voleur. C'est toujours lui qui tente de faire des fausses manœuvres. Il a fallu que Dieu change son nom en Israël pour qu'il rentre pleinement dans sa grâce. Donc, on ne peut pas donner des noms aux enfants comme ça. On ne peut pas donner des noms même à tout ce que nous faisons comme ça. Le Seigneur, quand je donnais maison de refuge à cette page que j'ai ouverte là, bien aimé, c'est par révélation que je lui ai donné maison de refuge. Il m'a dit, c'est moi votre refuge. Et la Bible dit dans Malachie 4, verset 2, je crois, il dit, comment on appelle ça? À tous ceux qui craignent mon nom. À ceux-là. Attendez, je vais lire, je crois. Parce que moi, excusez-moi, mais je suis une personne. Vraiment, le Seigneur ne m'a pas fait grâce. Il m'a fait grâce, mais bon, j'oublie un peu souvent. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas. Alléluia. Il dit. Ça, c'est Zacharie. C'est Malachie. Voilà. Il dit. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera, c'est que vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Ça veut dire Christ va se lever dans vos vies. Christ va se lever dans vos vies. Il brillera de mille feux dans vos vies. Il ne laissera pas les ténèbres vous engloutir. Et la guérison sera sous ses ailes. Parce que la Bible dit que Christ marchait avec des miracles et des guérisons. Alléluia. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Donc quand on vient à maison du refuge, le nom n'est pas bête. C'est pas donné bêtement. Nous venons nous cacher sous l'abri de Christ. Nous venons nous mettre sous l'autorité de Christ afin que nous puissions sortir de là, libérés, transformés comme des veaux d'une étable qui sautent de joie parce qu'ils ont bien mangé, parce qu'ils ont été bien abreuvés, parce qu'ils ont été guéris de leurs maux. Voyez, on donne pas des noms comme ça. Il y a des gens qui sont levés pour faire le ministère, donner un nom comme ça, mais ils ne vivent pas la chose. Ici, tu vois, à midi pour Jésus, là, c'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de guérir des personnes qui avaient une mauvaise compréhension de sa parole. Il est en train de guérir des personnes. Si tu écoutes bien, tu verras que même ta maladie que tu as, si tu crois en la parole qui sort, cette maladie va te lâcher dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne vient à Christ et reste comme il est venu. Donc même les noms vous donnez, non, c'est le nom de ma tante, de mon grand frère, de mon grand-père, de mon tante. Vous savez, mais vous partez pour vous. Vous voyez,
La Bible dit, je vous donnerai le nom de mon Dieu. C'est-à-dire que c'est le caractère de Dieu qui sera attaché à cet enfant de Dieu-là. C'est-à-dire que quand tu prends le nom de quelqu'un, tu connais son sale comportement juste parce que c'est la famille, tu prends et puis tu donnes ça à ton enfant-là. Il faut t'attendre à ce que l'enfant vive ça. Et tu seras étonné. Il ressemble à mon oncle-là, vraiment. Il ressemble vraiment à ma maman. C'est ce que ma maman faisait. Et ça vous étonne, mais c'est la vérité. Donne-moi mon s'asseoir. Donne mon nom à ton enfant. Quel est le caractère que tu as? Puis tu veux que je donne mon nom, ton nom à mon enfant. Moi, c'est pas comme ça. C'est Dieu qui a me donné le nom, puis je donne. Rebecca, même dans la Bible, a donné le nom de Jacob. Alors qu'elle avait eu la révélation qu'un des enfants allait être un positionnement. Pourquoi ne lui donne pas un nom qui va le booster? Elle lui donne un nom qui va le mettre dans plein de problèmes. Jacob, usurpateur, il a passé son temps à roublatiser seulement. Il a fallu que Christ vienne à lui pour qu'il change son nom. Il a compris que son nom n'était pas en train de l'aider. Vous voyez, ça c'est notre mission, on est en train de partir quelque part là-bas. Et Dieu là, c'est comme ça. Il y a toujours une licorne où il veut nous envoyer quelque part. Mais reconcentrons-nous. Oh, il est l'heure. Alléluia. Il dit, je donnerai le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui. C'est-à-dire que je crierai le caractère réel de Dieu sur cet enfant-là. Donc toi qui es là, Dieu va écrire un caractère réel de Dieu sur toi. Les gens au travers de toi, même dans le ciel, vont voir Dieu au lieu de te voir. Parce que c'est le caractère de Dieu qui sera inscrit sur toi. Je crée le nom, alléluia, de la ville de mon Dieu sur toi. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Si c'est écrit sur toi, ça veut dire que tu as le cachet d'entrer dans cette ville-là. Tu as le cachet de la vie éternelle. Tu as le cachet, alléluia, c'est écrit sur toi. C'est déjà écrit que toi, là, le ciel là t'appartient. Et c'est ce qui a été promis ici. C'est ce qui a été dit à Philadelphie. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole là. Persévérance. Donc, le ticket gagnant, là, c'est-à-dire que le paradis, là, c'est écrit quoi? Donc, quand ils marchent dans la rue, là, c'est pour ça qu'on les attaque. Parce qu'on ne veut pas qu'ils partent au paradis, c'est déjà écrit. Voilà pourquoi tu as beaucoup de persécutions. Parce que tu veux marcher comme Jésus. Parce que ton ciel est déjà gagné. Donc, on te met pour que tu puisses tomber dans un leur système. Et puis maintenant, toi aussi, tu rates et puis vous tous êtes assis ici. Vous êtes assis ici dans le monde. Au nom de Jésus, personne ne me fera tomber. Au nom de Jésus-Christ, personne ne te fera tomber, ni te fera perdre ta couronne. Alléluia. Veille sur ton cœur. Reste tranquille. Faut pas permettre à quelqu'un de te faire rater le ciel là. Là-bas, là, c'est shit. Seigneur. Si tu crois la parole du soir, et Dieu va te convaincre. Il dit, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès mon Dieu et de mon nom. Il dit de lui son nom, lui Jésus là, lui son nom nouveau. C'est-à-dire que nous on le connaît sous le nom de Jésus. On le connaît sous le nom de Yeshua, Mashiach. On le connaît sous l'Emmanuel. On le connaît sous... C'est que chacun a sa manière d'appeler Jésus, c'est pas ça? Mais le jour où tu seras face à face devant lui, tu vas le connaître dans toute sa gloire. Tu vas le connaître effectivement. Tu vas voir son nom inscrit sur toi. Bien-aimé, c'est-à-dire que quand le nom de Christ est sur toi, c'est-à-dire que toi-même, tu deviens Christ. Alléluia. Toi-même, là, c'est le caractère de Christ que tu affiches. Voilà pourquoi il dit, dès maintenant que vous êtes sur la terre, là-bas, là, apprenez à marcher selon mes voies. Parce que c'est ce que je vais faire ici, dans le ciel. Apprenez à marcher selon mes voies. Ne rejetez pas mes voies. Elles sont une santé pour vous, cette parole que je vous donne là. Elles sont le bien-être pour vos os, pour vos âmes. Ah, mande kerebo. Alléluia. Nous pouvons lire rapidement Éphésiens et Philippiens. La suprématie de ce nom. Il dit mon nom nouveau, mon nom nouveau, mon nom nouveau. On va laisser ça pour la prochaine fois. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de te faire languir pour aimer la parole. Mayantarabashé kerebe. Aime la parole. Des gens se sont sacrifiés pour que toi tu puisses la recevoir. Ne la néglige pas. Aime la parole plus que tout. Abreuve-toi. Mange-la. Alléluia. C'est celle-là qui va guérir les situations de ta vie. C'est celle-là qui va repositionner ta destinée. C'est quand nous cherchons la terre là. C'est juste simplement de s'asseoir ici. Hein. Mais nous refusons. On aime les fables. Ce que les gens vont nous raconter là, c'est ce que nous on cherche. Alléluia. Il dit,
au verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, si tu as des oreilles comme moi, à la même place, j'espère que tu as entendu. J'espère que ton entendement a été renouvelé. J'ai dit des petites choses dedans qui sont très importantes pour ta marche chrétienne, pour ta marche avec Christ. Bien-aimé, nous allons vers un but. Et le but que nous allons atteindre, c'est l'éternité, c'est la vie en Christ. C'est de pouvoir gagner le ciel. C'est de pouvoir un jour être enlevé. Si jamais on est parti avant l'enlèvement, de toutes les manières, on sera enlevé même si on est dans nos cercueils là-bas. Et pas comme ça, ma fille va dire, si pas de bas. Alléluia. Mais le but, c'est de gagner Christ. Parce que c'est lui notre bien le plus précieux. Et midi pour Jésus, c'est de proclamer qui est Christ. Partage la vidéo, bien-aimé. Ne te retiens pas. Hier, j'ai vu que vous avez vraiment partagé. Continue à partager les vidéos. Et que le Seigneur soit béni. Demain, mercredi, nous ne sommes pas là. Mais nous retrouverons le jeudi pour continuer notre thème avec la dernière église, l'église de Laodicée. Bien-aimé, comprends quelque chose. Je ferai un résumé après. Mais il faut comprendre que le Seigneur veut nous relever. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous repositionner. Voilà pourquoi il m'a envoyé parler. Si je suis prophète, c'est parce que tout, même quand je ris, je fais tout ce que je fais là, ne te laisse pas vite abuser. Vois la voix de Dieu qui parle, alléluia, pour pouvoir redresser les choses dans ta vie. Comme je disais, si tu veux me parler, tu veux, alléluia, que je puisse amen, prier avec toi pour un sujet particulier, tu peux m'envoyer ça par message ici, amen. Je prierai à toi en fonction de ce que le Seigneur m'aura dit. Ne viens pas vers moi, je ne suis pas un marabout. Alléluia, je suis la bouche de Dieu. Si Dieu me dit une parole, il me dit un mot, il me dit un passage biblique, il me dit un chant pour toi, je te le donne, accepte-le. Et si tu marches avec ça, tu verras la gloire de Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Mais si tu le refuses, ne dis pas que la prophétesse n'avait pas vu. Vous à qui on a donné toutes les grosses prophéties, là, ça arrivait où? Même quand ça arrivait, ce n'est pas arrivé là. Et puis votre vie a changé à quel niveau? Jésus n'a pas besoin de ça. On va te parler, mais il faut que le Seigneur puisse t'orienter et t'aider. Il faut que tu acceptes véritablement le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, ton vrai bien que tu vas rechercher sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Je vous aime l'amour du Seigneur. Mon Michou, sois béni. Amen. Sois béni. J'ai vu ton appel, je t'appelais, j'étais un peu... Voilà, donc je vais t'appeler, ne t'inquiète pas. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et que la grâce de Dieu repose sur chacun. Je vous aime. Partagez la vidéo. Amen. Ne vous retenez pas. Partagez. Et mettez des j'aime partout. Sur YouTube comme sur YouTube, mettez des j'aime. Que Dieu nous bénisse. Partageons à quelqu'un. Bye bye.